Si je me souviens bien, ça commençait comme ça. Mesdames et messieurs, je vous parle en direct de Cannes, il fait un temps splendide. Et je vais vous présenter quelques stars que tout le monde connaît bien. Ce sont tous nos héros et hommes au grand cœur. Ils sont tous là pour épouser un souhait sur la pour vous plaire. Évidemment, quelques starlettes sont aussi au rendez-vous annuel. Toutes habillées par le grand hôtelier. D'ailleurs, je ne vous déballe pas leur nom pour leur faire la publicité, vous avez fait l'interdit. Alors j'aperçois monsieur Delpa. Non, vu la tête qu'il fait, ça va pas être possible. Alors, c'est vrai qu'on a écrit ce morceau il y a plus de 30 ans maintenant. Si vous voulez dire qu'à l'époque déjà ce morceau, c'est-à-dire que tout ça, ça nous manquerait beaucoup. Et on était loin de s'en douter que 30 ans plus tard, ce serait même envie de faire pire. Maintenant, il y a toutes ces télé-réalités, tous ces journaux, people comme ils disent. Et puis ils se gardent de télé pour voir les gens de ce qu'ils me vivent. Ils lisent des journaux toutes les semaines pour en savoir plus sur leur vie privée. Ce qu'ils veulent, c'est respirer leur merde, leur poubelle. Ils veulent se prendre aussi pour des stars. C'est ça le festival. On arrive, on veut les voir dans des grands tapis rouges. On a envie d'être à leur place. On a envie de se faire prendre en photo.